Samedi 18 juin 2016, Modibo Sidibé, président du mouvement politique Phare en Kaolin, a rencontré ses sympathisants et la diaspora malienne en France pour traiter certaines questions concernant l'état actuel du Mali. À cette occasion, Modibo Sidibé a fait un exposé sur certains éléments de sa future stratégie politique qui sera le fil conducteur de sa campagne pour les prochaines élections. Cette rencontre était pour lui l'occasion de maintenir un espace de discussion dans lequel beaucoup de questions ont été posées. Le premier message, c'est un message de confiance. Un message de confiance, un message d'espoir, un message de l'amour. Je sais combien vous êtes inquiets aujourd'hui. Vous, les Maliennes et les Maliens de France. Parfois plus inquiets même que ceux qui vivent sur le territoire. Vous avez montré que vous avez une force. Vous avez révélé toutes vos capacités en défendant le Mali ici, à des heures cruciales. Vous l'avez fait. Ce que vous avez défendu, vous êtes prêts à ne pas les laisser sombrer. À ne pas les laisser sombrer parce que au-delà de votre combat, tous ceux qui ont perdu leur vie, tous ceux qui ont été blessés, des Maliens comme des étrangers, comme des Africains qui sont venus nous aider à se regarder notre souveraineté, à recouvrir notre liberté, la seule chose qu'on puisse les faire pour qu'ils soient remerciés de ce sacrifice, c'est que nous devons conduire notre pays avec beaucoup de dignité. Nous devons faire en sorte que notre peuple puisse trouver son chemin. Que notre peuple qui a montré qu'il est prêt à sauvegarder la liberté puisse effectivement user de cette liberté pour vivre ses besoins, pour exprimer ses vœux, pour se parler, pour se mobiliser, pour être acteur et actrice de notre devenir. C'est pourquoi nous parlons, nous disons tout le temps, de fondation de notre pays, de fondation du Mali. Et il est clair, mes camarades l'ont dit, vous le savez, vous le savez. L'élection de 2013, c'était pour que le Mali retrouve le chemin de la grandeur. Le chemin des Mali propres. Le chemin des Mali forts, des Mali justes, des Mali solidaires. C'était ça l'enjeu de l'élection présidentielle de 2013. C'est pour ça que nous nous battons tous. Pour que ce chemin-là, le Mali puisse le retrouver. Et que le peuple malien puisse l'emprunter. Nous sommes désolés de constater aujourd'hui que nous sommes bien loin du compte. Malheureusement, bien loin du compte. Aujourd'hui, il nous faut construire une alternative politique crédible face à ce qui est en train de se passer dans la sauvegarde du Mali, l'accord de paix. Vous avez suivi. Je sais que beaucoup d'entre vous ici, vous avez défendu déjà dans le temps, comme je le disais, toutes les scories, toutes les fausses images qu'on véhiculait sur le Mali et le peuple. Vous êtes battu. Aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que nous retrouvons un pays digne. Une paix durable, une paix pour tous, une paix juste. Et nous avons pensé à l'opposition, et plus particulièrement aux FA, qui se sont démarqués de cet accord, que cet accord ne portait aucun projet politique pour l'intégrité du Mali. Parce que de façon générale, c'est l'absence totale de gouvernance, de direction du pays qui pose problème. Nous avons tous pensé, nous, qu'en arrivant, et si le peuple malien nous confiait la destinée du pays, il fallait peut-être faire un programme d'urgence pour s'adresser à un certain nombre de problèmes que pour les Maliens ne peuvent pas attendre, mais tout de suite s'atteler à ce que de grandes rencontres refondatrices du Mali se tiennent pour que le peuple malien se prononce, dise ce qu'il veut faire de notre pays, de ce grand pays qui est le Mali, notre grand territoire. Ce n'est pas la peine de se battre, de taper la poitrine tous les jours, le Mali. Le Mali est grand. Il faut que nous ayons un comportement et une politique qui répondent dans la globalité à notre territoire, à sa position géographique, à notre responsabilité singulière, à notre de l'Ouest. Nous sommes une guerre. Il faut que nous ayons conscience. Si le Mali vacille, l'Afrique de l'Ouest tremble. Il est clair que nous avons une responsabilité. Il est important de le dire, il est important de se battre pour ça. C'est pourquoi nous avons dit, pour aller vite, l'accord, nous ne sommes pas d'accord parce que ça n'apporte pas ça. Ça comporte des chaînes qui ne nous mènent nulle part. Ça viole la Constitution. À l'époque, non, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Et on parle maintenant de révision constitutionnelle. De quoi il s'agit? Qui vous a parlé du projet de réforme constitutionnelle? Qui vous dit ce que va être le paysage institutionnel du Mali demain? On vous en a parlé? Non. Mais on s'avance par catimini, comme s'il y avait quelque chose, disons, de louche, entre guillemets. Il ne peut pas y avoir de louche
dans la direction des pays. On le sait aujourd'hui. Tous les pays sont ouverts, l'Afrique est ouverte. Tout le monde, à l'instant T, tout le monde est mis au courant de ce qui se passe. Plus même plus de raison. Une fois qu'il nous faut, ni l'Afrique, ni le Mali ne peut plus être géré comme avant. Il faut s'en remettre, définitivement. Donc nous avons dit aujourd'hui, puisque de toutes les façons, nous sommes dans ce processus. Il y a deux choses. Vous avez dit au système des Nations Unies, nous sommes peut-être qu'on s'engage un peu vers cette voie. On a dit la première des choses, c'est garantir la sécurité pour redonner de l'espérance. Garantir la sécurité, que Barkhane se renforce, ce qu'elle est en train de faire, que la MINUSMA soit renforcée et que ses règles d'engagement soient revues. Ses procédures d'engagement soient revues. Que ses capacités en force spéciale soient renforcées. Ses capacités en renseignement et coordination du renseignement soient renforcées. Ses capacités opérationnelles et interopérationnelles avec les Balkans, avec les FAMA, soient renforcées. Et que tous les mouvements armés se démarquent très clairement de tout terrorisme, de tout narcotrafic. Et qu'ils campent immédiatement. Il ne souhaite avoir de souveraineté sur l'ensemble du territoire. La seule force légale armée ne peut être que celle de l'armée républicaine du Mali. Ou alors, seul que le Mali, par sa voie légitime, a habilité à être à ses côtés dans la surveillance et dans la protection de son territoire. Ça, et à l'avenir de ça, on peut amener les services sociaux de base, les opérations de relèvement au profit des populations, etc. Mais la sécurité n'est jamais une fin en soi. La sécurité ne résout jamais un problème en tant que tel. Tous les militaires vous disent, quand ils vont dans un engagement opérationnel, qu'immédiatement, dans la perspective de la sortie de l'opération, il faut tout de suite que la politique se prépare. Parce que le relais ne peut être pris que par la politique. Et que par la politique, la vision politique. Aucune vision politique n'habite la porte de paix. C'est ça le problème. C'est pourquoi ça va, ça vient, ça s'affaisse. Il n'y a pas de souffle politique dans la porte de paix. C'est ça. Il faut, si la sécurité revient, de le faire un tout petit peu, que nos autorités acceptent. Nous avons lancé l'appel au président de la République depuis les lendemains, avant même, mais depuis particulièrement les lendemains de l'aventure désastreuse de Kidal. On avait dit qu'ils prennent l'initiative d'une grande mobilisation des Maliens et des Maliens autour du Mali. Ce n'est pas une question de parti, ce n'est pas une question de groupe, ce n'est pas une question de liste, c'est une question du parti du Mali. Ce Mali que nous avons vu vaciller, ce Mali pour lequel nous sommes partis, il n'est pas tombé, mais il faut qu'il prenne son élan. Et pour ça, il faut qu'on se parle, qu'on définisse ce qui va être notre projet d'avenir, qu'on définisse ce qui sont nos institutions. Vous savez très bien, l'État, tel qu'il est décrit dans le Nord, vous le vivez, vous, à Kaye, ailleurs, dans Yelimani, ailleurs, vous le vivez, ce problème-là de l'État, de sa capacité à être efficace, de sa capacité à répondre aux préoccupations des populations. Il faut donc le fonder. Pourquoi ne pouvons pas le fonder? Pourquoi ne pouvons pas le voir? Alors nous disons aujourd'hui que la seule voie politique nous semble importante, c'est donner une légitimité politique à l'accord de paix. Et cette légitimité politique, qui vaut appropriation par les Maliens, ne peut être issue des grands dialogues nationaux. Que des grands dialogues nationaux. Notre camarade, Jérémy Basse, a dit tout à l'heure que les 77% c'est bien. Nous demandons donc que du haut de ces 77%, comme un grand prix Nobel de la paix, disait qu'il soutient que la démocratie n'est pas seulement que le vote, la démocratie aussi, c'est le débat public autour d'un projet commun. Pour engager ce débat, dialogue national, pour engager ce débat public pour cet avenir commun, pour que les Maliens s'emparent des enjeux, des défis que nous allons loin. Parce que le Mali est en danger, le Sahel est en danger. Le Sahel est en danger, pourquoi encore? Parce qu'il y a l'économie criminelle, il y a le terrorisme, mais aussi pire que tout, il y a les aspects écologiques, il y a les aspects environnementaux, il y a les aspects démographiques. Le Sahel, dans une dizaine, quinzaine d'années, doit avoir peut-être 200 millions d'habitants, et plus de 200 millions d'habitants, entre seulement 3 et 4. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces milliers de jeunes qui vont venir sur nous? Comment est-ce qu'on va faire avec l'élevage, l'agriculture, des terres qui ne sont pas suffisantes? Donc ces défis-là, il faut les entendre dès maintenant. Comme le disent les gens, le futur est en marche. Il est en marche. Maintenant, l'avenir, c'est nous qui pouvons le bâtir. Pour réfléchir le futur dans la direction que nous souhaitons. Il est temps qu'on s'attelle à ça. Ce n'est pas une affaire de demain, ce n'est pas une affaire d'après-demain, c'est une affaire d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Bon, moi, je ne vais pas faire de contribution, j'ai juste quelques questions à vous poser avec le principe des trois.
par rapport à ma première question concerne au régime actuellement, au pouvoir. Quand je viens vers vous, monsieur le président Modibo Sidibé, de rémunérer en trois points positifs les traits du régime actuel au pouvoir, en trois points positifs et trois points négatifs. Donc, quelles sont vos solutions à apporter au point négatif? Donc, je reviens à votre plan pour la transition générationnelle. Parce qu'actuellement, il y a une forme de confusion à ce niveau. La transition générationnelle, ce n'est pas forcément le changement de tête. En fait, c'est une stratégie politique qui doit être mise en place. Maintenant, quelle est votre stratégie politique en trois points pour mettre en place cette forme de transition générationnelle? Je vous remercie. Particulièrement, je remercie la section phare pour nous avoir offert un moment très politique dans la communauté, dans les moments que nous connaissons. Et moi, je vais directement poser quelques questions à monsieur le Premier ministre, puisque je fais comme ça, parce que c'était un moment très important, puisque c'est un Premier ministre qui n'a pas donné de logements sociaux à sa famille. Ça, on n'a pas oublié ça. C'était un moment très important, puisque malgré les insuffisances que l'opposition constatait à l'époque par rapport à la gestion ATT, votre passage à la primature a été un moment très très important. Et pour aller plus loin, dans le cas du FDR, monsieur le Premier ministre, nous avons souffert avec vous tout ce que vous avez vécu avec la jeune des débauchés de Kati. Amadou et Assanogo et ses camarades de bar ont fait souffrir la République, ont fait subir à la République des misères. Et nous avons entendu ici que vos champs, votre maison, tout a été fouillé, tout comme d'ailleurs ceux de Soumaïla Cissé aussi. Ici, au nom du FDR, nous avons fait le combat et nous ne regrettons pas ce combat-là parce que vous étiez sur le bon chemin. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il est temps de reconnaître ça. Maintenant, avant de céder le micro, puisque le temps est très limité, nous avons quand même quelques... Tout le monde. Moi, je vais commencer par féliciter M. Abba d'avoir accepté de créer cette union avec un grand parti. Parce que, vous savez, pendant l'élection présidentielle, moi, je vous ai suivi un peu avec un grand intérêt et aussi un peu de tristesse. Parce que je fais toujours une comparaison avec ce qui se passe en France. Ici, vous avez des jeunes qui ont des talents, qui intègrent un grand parti politique pour apporter leurs idées. Parce que, vous savez, le problème, c'est que nous, jeunes, aujourd'hui, on a beaucoup de talents, on a des ambitions aussi. Mais c'est qu'on a du mal à s'envoler tout seul parce que les uns ne sont pas assez matures. Donc c'est mieux d'intégrer un grand parti et puis pouvoir s'imposer et faire le changement. Maintenant, la question c'est quoi? C'est est-ce que maintenant, M. Modibo Sidibé, est-ce qu'il ne faut pas peut-être inciter ces jeunes-là à intégrer un parti politique tôt avant de s'engager tout seul? Parce que je ne sais pas, vous avez remarqué pendant les élections, il y avait combien de candidats? C'était beaucoup. Je pense que les jeunes, s'ils avaient cette motivation qui les encourage à intégrer un parti et qui leur permettait de donner leur place, à avoir leur place dans un grand parti, ben ils auraient intégré tôt le parti avant de s'engager tout seul. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'en confrontant nos idées, on finit toujours par avoir un petit bébé qui est mignon et puis qui est en bonne santé. Et voilà. Merci. Bonjour. Je suis Mélanie Kouassi. Je suis la première ministre de la République. Donc, An be fɛn min sɔrɔ ka bɔ yan ka taga Mali la k'an bɛ taa poroze kɛ n'an taara an ka poroze a si tɛ ɲ'an bolo an denw bi yan denw bɛ ekɔli la n'an an denw kilala n'u taara k'u bɛ taa ka taa baara kɛ k'u bɛ taa ka taa fɛn kɛ Mali la u tɛ ɲa sɔrɔ pourquoi u tɛ ɲa sɔrɔ u faso dun de don an dun fɛnɛ faso de don franchement n b'a ɲini jama fɛ 2018 la bɛɛ ka bɔ ka vote tonton Modibo ye Parce que
ne pa banana ayi mo bla kata hôpital la jara ni apunyana ma odi hestia jama kaya fama. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour, Monsieur le Président, honorables députés, la délégation des phares du Mali, la section phare de France, chers invités, je me présente, je suis M. Yang Bouteta, le président du conseil d'administration de l'URDAC Mali, unité de réflexion et d'action pour le Mali. C'est avec un grand plaisir que nous sommes venus échanger avec vous aujourd'hui. Et avant de passer à mes questions, j'adresse mes salutations fraternelles aux camarades Amido Koulibaly et aux camarades Matéli Diarra, au nom des phares qui n'ont jamais manqué à une activité organisée par l'URDAC Mali. Donc, avant votre arrivée déjà, nous savions par votre section ici quel intérêt ce parti accordait au Mali, aux Maliens, dans le recueil de leurs sentiments, dans le recueil de leurs opinions par rapport à la gestion du pays. Donc, votre arrivée aujourd'hui n'est qu'une continuité, sans citer la rencontre qu'on avait eue en 2013, à la veille des élections présidentielles. Donc, cela s'inscrit dans la continuité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même remercier l'honorable Bakary Moyo d'avoir honoré son rang de député ici. Car les propos qu'il vous avait tenus, au-delà de tout discours courant populaire, c'est la réalité du Mali. Nous vous remercions de l'avoir relevé avec véhémence et nous le partageons avec vous. Je salue par ailleurs l'intervention des autres, notamment le maître de cérémonie Makassi Dibé, et un grand frère que je retrouve aujourd'hui avec plaisir, car je pense que dans le militantisme, nous ne retrouverons jamais de discuter, ainsi que les camarades Abba Maïga. Je suis très fier de vous retrouver ce matin dans un cadre qui aujourd'hui donne un espoir aux Maliens. Monsieur le Président, nous vous suivons avec intérêt, car vos prises de position, votre parcours suscite un certain sentiment, mais surtout un certain espoir auprès des Maliens. Malgré votre participation à un système qui a failli, nous suivons les systèmes et nous suivons les hommes. Il y a le système et il y a l'homme. Le Mali a besoin aujourd'hui d'hommes intègres qui puissent redonner aux Maliens leur dignité, qui puissent leur faire croire en eux l'estime de soi, qui puissent leur donner une dignité. Vous avez évoqué beaucoup de questions, beaucoup d'aspects des problèmes que nous traversons. L'unité de réflexion et d'action pour le Mali a fait son analyse en son temps et avait fait ses propositions. Mais en grande partie, nous les partageons car nous nous souvions. Sur vos propositions par rapport à l'accord, nous avons la même vision que votre parti et vous-même. Sur les propositions que vous apportez pour la réformation de l'État, nous avons la même vision que vous. Sur la création d'un État fort, démocratique et laïque, qui définit la place exacte de l'armée du citoyen, en gros qui va refonder notre contrat social, nous partageons votre vision. Cependant, j'ai juste un petit bémol, car vous parlez de la légitimité de l'accord. Pour légitimer cet accord, il faut un dialogue national. Sur ce point, l'URDAC Mali est allé plus loin. Nous avons proposé un référendum. Il faut que les Maliens puissent s'exprimer sur notre façon d'être gouvernés. Car la crise que nous voyons aujourd'hui n'est que l'échec d'une gouvernance. Il faut donner à chaque citoyen sa place, homme et femme. Cela ne doit pas tenir compte des caractéristiques régionales et ethniques. Parallèlement à tout ce que nous voyons, au Mali se développe aujourd'hui le régionalisme, l'ethnocentrisme, le repli communautaire identitaire sur fond d'islamisme. Tous ces éléments imbriqués font que la gestion de notre pays nous échappe et la vision des institutions, des fois, nous échappe aussi et son rôle devient minimal, des fois marginal, mais à des moments même mal interprétés, ce qui dénote de l'absence totale de l'état de justice et de droit. Monsieur le Président, l'URDAC Mali se fait le plaisir de vous poser la question si les conditions sont réunies. Bienvenue chez vous à Paris. Nous vous remercions infiniment tout au fond du cœur. Et nous vous saluons également. Bon. C'est pour vous dire que l'état actuel du Mali est en danger. Et tout le monde le sait. Les micros. Tout le Malien le savent.
que l'État malien est actuellement en danger. Depuis les élections jusqu'à nos jours, rien n'a été fait, quelque chose qui a été concret. Et tout le monde le sait dans toute l'étendue du Mali. Donc, Monsieur le Président, Monsieur l'ex-Premier ministre, nous avons porté notre confiance sur vous tous. Et c'est à vous maintenant de porter ce sujet sur votre dos et pour qu'on puisse redonner un élan au Mali et aux Maliens de la diaspora ainsi que les Maliens qui sont restés en place. Je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, j'ai aucun intérêt politique malien. Je suis responsable d'association à la maison de quartier à Grigny. La paix passe par la bien vivre ensemble. Je vous remercie. Je suis vraiment fier de voir M. Maïga Garaba, un jeune. Pour nous, c'était vraiment de voir avec foi. Moi, je suis énormément touché. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème commun. Je me permets de dire un problème mondial, le terrorisme. En Belgique, en France, au Togo, au Mali. Ma question, en tant que ma qualité responsable d'association, on est appuyé toujours par les ONG. Comment aujourd'hui, je pose vraiment la question qui m'intrigue énormément, comment lutter contre l'endoctrinement de nos jeunes dans le quartier populaire. Une dernière question qui est juste une phrase. Monsieur Modibo Sidibé, peut-on imaginer qu'un jour nos compatriotes maliens puissent obtenir la nationalité française par le délai? Je vous remercie de m'avoir écouté. Par le délai. Délai ministériel. En France. Je vous remercie. Ils sont trois points favorables à la majorité. Allez lui demander à la majorité qui présente votre sortie. Une seule chose que j'ai eu à dire, et je le répète ici, la majorité a reconduit le dispositif de l'initiative RIE en baissant les engrais de 1 500 francs, tandis que nous l'avons fait de 10 000 francs CFA à son temps. Le reste, la plupart des projets que nous voyons, ce sont des projets qui étaient en cours. Nous voyons très peu de projets initiés en tant que tel. Deuxièmement, je vous l'ai dit, ce pouvoir manque de vision. Le pays est comme ça en direction. Oui. C'est ça le problème.
Les solutions, nous l'avons dit et répété. Un leader, c'est une direction, c'est un cap, c'est des stratégies. Pour conduire le pays dans cette direction-là. C'est tout ce qu'on attend. Maintenant, mes solutions, je préfère que vous me donniez vos voix, que j'aille les mettre en œuvre. Mieux vaut le vrai que la copie. Ça, c'est le deuxième point concernant cela. La transition générationnelle, je l'ai dit, j'ai mon programme, ils vont vous le donner, vous le direz sur ce que je pense faire de la transition générationnelle. Vous savez, avant le coup d'État, c'est vraiment le coup d'État que beaucoup sont élevés, etc. Ouais. Moi, je suis venu au gouvernement jeune. J'ai à peine 40 ans. D'autres avaient entre 30 et 40 ans. D'ailleurs, dans le gouvernement, on disait qui était quinca, qui était quota. On était avec le quota. On a fait ce qu'on avait à faire. Dieu merci, avec l'aide de tous. C'est que je ne prouvais ce qu'il peut faire, ce qu'il ne veut pas faire. On ne peut pas leur parler la bouche. Et c'est ce que je dis ici. On va leur ouvrir à notre jeunesse les responsabilités qu'elle mérite dans la fédération. Et je suis sur ça. Donc la stratégie, vous le trouverez là-bas si cela vous convient. Et comme je vois que vous êtes bien jeune, les phares vous sont ouvertes pour votre ascension. Il faut que nous travaillions ça. Il y a les corruptions, il y a les corruptions et les corruptions. Il faut que nous travaillions ça. Je puis vous assurer que, comme nous l'avons dit, il y a deux choses dont il faut se garder. La première, c'est de croire qu'au Mali, il n'y a que corruption, yougou, etc. Non. Je suis désolé. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais il y a des centaines de milliers, de millions de Maliens qui font leur travail, ou au Chine, ou au Réga, ou au Chine, à Baba. On nous offre bien. Opérateur économique d'Obé. Il y a 100 banques à faire, mais qui a 5 ans de pouvoir là. Opérateur de Wilhelm est tout hier à Bada. Donc par conséquent, comme nous, pour mon pays, fonctionnaire ou pays, nous avons beaucoup de barres à Niama. Ou t'es chez là, ou t'es chez nous là. En coup, il y a une autre. Il y a une initiative dans l'ensemble pour Béroni, pour la mort. Le programme qu'on a, ce qu'on propose, c'est qu'au bout de l'horizon 2030, et bien avant, je l'espère, le Mali renvoie l'image d'un pays fort. D'un pays fort. Un pays solide. Ça, c'est clair. Donc, on est d'accord, c'est plein de choses qui sont bien, et ça tue l'économie. On va travailler dessus. On a un programme là-dessus. Je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Alors, je voudrais. C'est magasin. C'est un magasin. Hein? Merci. Hein? Je pense que. Il y a beaucoup qui ont les états d'âme du côté de nos amis. Quand on parle de Moudibo Sidibé, des phares et des mains, il y en a qui commencent à. Bon, alors, vous dites nos amis de l'international socialiste, nous sommes de gauche, mais encore, nous ne sommes ni membres, nous n'avons ni postulé à l'international socialiste. Premier élément. Deuxième élément, nous sommes constants. Nous sommes constants, plus que beaucoup d'autres partis politiques. Depuis la campagne, la pré-campagne, ne sachant même pas qui allait être président de la République, nous avions dit que si les Maliens, par la grâce de Dieu, ne nous confions pas ça, nous n'allons pas nous précipiter vers celui qui a gagné, mais nous allons animer une opposition. On l'a dit. Et c'est pourquoi même le fait d'être en opposition, c'était de l'espèce d'un engagement que le fait. Une fois pendant ça, je suis désolé,
Personne ne pourra dire au phare comment il faut qu'il soit dans l'opposition. Et nous disons que l'opposition n'est plus rien. Et tous ceux qui ont des états d'âme sur le phare, il faudrait bien qu'ils trouvent une solution. Parce que les phares ne seront que des phares. Ils n'auront pas la culture de notre parti. Si vous pensez que les phares vont se mettre à insulter, à faire tout ce que vous voulez, il n'y en aura pas. Même pendant la campagne, on a dit, on vous insulte, ayant mon trop la catinée. Ne répondez à personne par des insultes et discutez pour vous. Maintenant, nous avons décidé, on doit faire la politique pour vous. Une politique pour faire la politique. Et qu'il n'y a pas d'éthique, qu'il n'y a pas de morale, ce n'est que caricature. Le dire. Donc, par conséquent, ce changement de la politique, parce que la classe politique, pour nous, doit faire son introspection. Elle doit faire son introspection. Et par conséquent, nous nous disons, nous ne pouvons pas seul faire conduire ce renouveau de la classe politique, ce renouveau de la démocratie. Il faut que nous nous conduisions avec d'autres partis politiques qui partagent les mêmes valeurs que nous, ou des personnes de ressources qui partagent les mêmes valeurs. Si vous vous souvenez, depuis bien avant l'élection présidentielle, les femmes parlaient de la création, de l'émergence d'un nouveau pôle politique. Et qui est devenu un pôle politique dit de gauche. Nous n'avons rien à cacher. Nous travaillons avec la Sénat, nous travaillons avec le PDS de Dabba Diawara, nous travaillons avec le FAC, nous travaillons avec l'UPD, il y a une partie des jeunes aussi, etc. Pour créer un pôle de gauche. Un pôle qui va répondre à l'exigence de gouvernance qu'il y a dans notre pays. Il va répondre au vent de gouvernance qui souffle sur l'Afrique et au niveau de la démocratie. Voilà le travail que nous faisons. Alors, dans ce cas, vous dites les manifestations. Je suis désolé, ce n'est pas gentil pour mes camarades. Vous avez vu ici, je n'ai même pas été le premier à prendre la parole. C'est le vice-président, les membres de mon parti qui ont pris la parole. Nous sommes une partie collégiale. Nous sommes une équipe. Merci. Quand vous voyez dans une manifestation, le premier vice-président, et que les statuts du parti m'autorisent à ce qu'il aime représenter. Et vous voyez à peu près une dizaine de membres de la direction du parti phare devant cette manifestation, et qu'une bonne partie de cette manifestation est constituée par les phares, ayez du respect pour eux. Ils représentent plus les phares que moi. Ouais. Ceux qui veulent comprendre, dès que les phares disent ceci, les phares cela, ah, ils ont peut-être été contactés par X ou Y. Ah, ils vont peut-être vouloir aller par-ci. Ils vont vouloir aller par-là. J'incite tous ceux-ci à s'occuper de la direction qu'ils ont à prendre. Les phares se sont donné une direction. Nous voulons construire une alternative politique crédible. Offrir à notre peuple, c'est pour vous dire le message de confiance que j'ai voulu porter. C'est que les phares sont là pour vous dire que nous partageons, pour vous dire que nous avons un projet, pour vous dire que nous avons un programme. Je vous dis, nous sommes une alternative politique crédible. Et c'est ça qu'il faut qu'on porte pour notre pays. Tous ceux qui ont parlé de dignité, tous ceux qui ont parlé de relèvement, c'est pourquoi nous parlons de transition. Parce que les problèmes qu'on a, ça ne se résout pas en deux ou trois jours. Il ne faut pas qu'on se précipite pour colmater un coin, pour bourrer une brèche par là. Il faut que nous pensions qu'il y a des transformations à faire. Et moi, je crois qu'on a la capacité de transformer notre pays. On a monté durant toutes ces années, avec des insuffisances parfois, des grands progrès. Des fautes aussi, pourquoi pas ça arrive, mais les progrès sont là, ils sont constants. Et ça montre qu'on peut aller beaucoup plus loin encore, etc., dans tous les domaines. Donc je vous remercie, n'ayez pas d'inquiétude. Les phares savent dans quelle direction ils vont et ils ne seront jamais, jamais, dans la direction simplement des gens. Parce que nous sommes sur une chose. Comme le dit l'autre poète, quand la tempête souffre, ce ne sont pas les feuilles, les branches de l'arbre qui sauvent l'arbre, ce sont ses racines. Et nous savons quelles sont les racines. Pour ce qui concerne. Oui, Baldé, je suis content que vous ayez cette approche. Je veux dire qu'une approche, une vision politique, une volonté également, que les jeunes s'engagent beaucoup plus tôt. C'est ce que nous voulons. Nous avons un projet qui est le corps du phare en Gaoudi Kakalasso. Justement pour que cela vienne. Et les premiers éléments du notre programme vont dans ce sens. Il y a beaucoup de jeunes comme Abba, comme d'autres. Là, vous avez le docteur Yusuf Diallo qui est un jeune aussi. Ils sont là. Ils sont avec nous. Ils se battent. Ils travaillent. C'est ce que nous voulons. Une jeunesse engagée. Une jeunesse compatible. Parce que c'est celle qui va faire la modernité de notre pays.